addicts, oui, je vous retrouve un petit peu comme ça en ce moment. Vous avez des vidéos qui ont des rushs que j'ai fait depuis un moment, puis il y en a d'autres que je viens juste de faire, comme aujourd'hui, où là vous l'aurez normalement une semaine après. Donc aujourd'hui, il est temps que je vous présente ma palle pour ces longs mois d'hiver que sont janvier, février, mars, enfin décembre, janvier, février, mars. Je me suis prévu des petites lectures qui me rappellent en fait cette saison-là, et c'est dans cette saison-là souvent que j'aime lire des gros pavés. Il y en a quelques-uns, on verra si j'arrive à tous les lire, j'ai 2-3 mois pour ça, mais bon, voilà, ça va être vraiment au gré de mes envies. C'est une palle, enfin, sur des livres que j'ai envie de lire là, dans les semaines qui vont arriver, et après il y en a peut-être d'autres qui vont s'insérer dedans, d'autres que finalement j'aurais plus envie de lire, donc voilà, vous le savez maintenant, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, pour commencer, mon défi pour cet hiver, ben vraiment mon défi, parce que je sais très bien que là, même si je le continue maintenant, enfin quand l'hiver va arriver, je ne l'aurai pas encore fini. Donc le gros défi de cette palle d'hiver, c'est de terminer le priori de l'Oranger. J'ai repris avec la grosse LC que Camille, donc Madame Errance sur Insta ou même ici sur YouTube, nous a proposé. J'ai déjà pris du retard, donc voilà, puis il a sorti. Je suis assortie avec le priori de l'Oranger. J'ai pu continuer un petit peu, j'en suis à, on va dire, un gros tiers. Et j'ai plus réussi à me mettre dedans que ma première lecture pour le début. Donc je vais le continuer tranquillement à côté de d'autres lectures que je vais vous présenter après. Celui-là, le début est sympa, mais j'ai mis du temps à me mettre dedans. Donc voilà, j'espère pouvoir le terminer pendant ces longs mois d'hiver. Ensuite, un qui me fait très très envie parce que j'ai une de mes amies sur Booksta qui en parle très très souvent, qui est notre petite Agnès. Mon compte, c'est Sterling Books. Elle m'a trop trop donné envie de le lire. Donc il s'agit de Steam Sailor de E.S. Green. Et franchement, une histoire de pirate. Voilà, pirate des airs. Cette fois-ci, c'est pas pirate sur les mers, c'est pirate dans les airs. Et il me fait trop 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 envie. Donc voilà, je me le suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Il est magnifique avec voilà, des cartes comme ça dans les rabats. C'est juste trop beau. Donc il me fait trop trop envie. En plus, il n'est pas si gros que ça. Mais voilà, c'est vraiment le genre d'histoire que j'ai envie de découvrir cet hiver. Et je lui ai promis de le lire cet hiver. Franchement, je pense que ça va être une de mes premières lectures pour cette palle d'hiver. Parce que voilà, il me fait trop trop envie. Ensuite, un autre qui me fait de l'œil depuis que je l'ai reçu. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Alors, c'est une réécriture apparemment très sombre de La Petite Sirène, et franchement, voilà, déjà la couverture, bon moi je l'ai en paperback, vu que c'est De Saxus qui me l'a envoyé, mais franchement, même en paperback, il envoie du lourd, il est vraiment trop trop beau. Donc voilà, enfin, en plus vous savez mon amour pour les réécritures de contes, donc clairement celui-là, voilà, trop bien, trop contente et vraiment trop trop hâte de lire aussi. On va rester dans les réécritures de contes qui sont très hivernales là aussi, puisqu'il va s'agir de Renouveau, donc de Lise, ah non c'est Jane Calonita, on n'est plus sur Lise Braxwell, mais ça reste dans la collection Twisted Tale, et donc Renouveau qui est une réécriture de La Reine des Neiges, donc je me dis, là franchement on peut pas faire mieux pour l'hiver, donc clairement, très très hâte de le commencer aussi celui-là. En plus voilà, l'objet livré est juste splendide. J'ai pris la version hardback que j'ai trouvé cet été peut-être à Cultura. Je me dis en plus, c'est le dessin animé, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est super sympa, à sa sortie je l'avais adoré. Bon maintenant j'en peux plus de la musique comme tout le monde je pense, mais voilà. Donc très hâte de le découvrir aussi. Un autre qui me fait de l'œil aussi depuis, je crois que je l'ai acheté en septembre. Donc il s'agit de Sorcery of Thorns. Voilà, mon anglais est juste un peu pourri, je suis désolée. De Margaret Rogerson, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est une histoire de... Je sais plus exactement, c'est pas une histoire de sirène cette fois-ci. Une histoire de sorcière. Il aurait été bien pour ces mois d'automne, mais voilà, j'avais d'autres lectures qui me faisaient envie avant. Je vais me le garder pour cet hiver. Au vu des retours, il a l'air super bien. Donc j'ai un petit peu des attentes dessus. Je vais essayer de faire abstraction, mais franchement, j'ai quand même des espoirs dedans. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. Un autre que j'avais acheté en septembre, il s'agit du Prince Cruel de Holly Black. Il a fait un bruit pas possible en VO, donc quand il est sorti chez Rajo,
Bah, je me suis un peu jetée dessus, mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc une histoire de royauté qui apparemment fait penser quand même beaucoup à un palais d'épines et de roses, que j'ai adoré, clairement. C'est un palais d'épines et de roses. Le premier m'avait laissé un petit peu mi-chaud, mi-froid. Mais alors, le deuxième, un gros coup de cœur sur le deuxième tome d'un palais d'épines et de roses. Donc je ne sais plus exactement comment il s'appelle, c'est un palais de je ne sais plus quoi. Il y en a trois comme ça, un palais deux, et à chaque fois je me plante, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais voilà, Le Prince Cruel apparemment est un petit peu dans la même veine, et franchement il me fait très très envie aussi, donc et pareil, les retours sont très très bons, donc puis voilà, on a gardé la couverture VO, elle est juste trop belle. Et donc pour rester sur le Un Palais d'Épinés de Rose, bah je n'ai toujours pas lu Un Palais de Glace et de Lumière, donc qui est le tome 4, entre guillemets, première partie je crois. Il serait peut-être grand temps que je lise, et je me dis Un Palais de Glace et de Lumière, on est bien sur une pâle d'hiver. Voilà, ça peut le faire aussi. Un autre livre de chez De Saxus qui me fait très très envie depuis que je l'ai reçu aussi, il s'agit de Nevernight de J. Christophe, donc le tome 1. Donc J. Christophe, vous le savez je pense, c'est un des auteurs d'Illuminae. Une saga que j'adore, dont il faut encore que je lise le tome 3. Et donc celui-là a l'air d'être complètement différent, ça a l'air très très sombre. Je me suis pas trop spoilé le résumé ou quoi que ce soit, donc le jour où je lirai, je vais vraiment rentrer dans quelque chose dont je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, pareil, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, que ce soit en VO ou en VF. J'ai des espoirs quand même dedans aussi. Donc j'espère qu'il me plaira. C'est une grosse pavasse de 750 pages, 730 pages, donc j'espère qu'il me plaira. Un autre gros pavé qui me fait envie, sachant que j'ai terminé sa première saga il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit d'Idéalis de Christopher Paolini. Je crois que je vous l'ai présenté dans ma pâle d'automne, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. J'espère pouvoir le lire cet hiver, donc c'est un roman de science-fiction, rien à voir avec ce qu'il nous avait fait avec Eragon, qui était de la fantasy. On verra bien ce que ça donne au niveau d'une histoire de science-fiction. Apparemment, il y a un petit peu des longueurs. J'espère qu'il me plaira quand même. On verra bien. Ensuite, il y a deux sagas, dont une que j'aimerais commencer et l'autre que j'aimerais continuer. C'est des sagas qui me font très envie et celles que j'aimerais continuer. J'avais adoré le premier tome. C'est L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, parce que le premier tome j'ai lu cet été avec vous et je l'avais adoré. Les personnages m'avaient vraiment plu, donc j'espère que cette suite me plaira aussi. Il y en a pour l'instant 5 je crois qui sont sortis de cette saga. Je me suis procuré le tome 2 et 3 là pour l'instant, grâce à ma petite analyse qui me les avait trouvés chez Gibert. Très hâte de continuer parce que vraiment c'est une histoire qui ressemble pas à d'autres et qui est vraiment cool. Et la saga que j'aimerais commencer depuis très très longtemps, parce qu'on dit qu'elle fait penser un petit peu à HP, c'est Alex Verus, donc le premier tome, donc de Bénédicte Jacquat. Oui, apparemment ça fait beaucoup penser à l'univers d'Harry Potter, donc c'est vraiment une saga qui est dans ma palle depuis un moment, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de commencer, mais qui me fait de l'œil depuis un sacré moment. Donc voilà, et il y en a pour l'instant 5 ou 6 qui sont sortis, mais clairement, je pense que ça peut vraiment me plaire. Donc j'ai vraiment hâte de la commencer. Donc voilà, vous voyez même pas tout, mais c'est pas grave. Donc pour ma pâle d'hiver, je sens que je vais faire tout tomber. Si vous entendez boum, il faudra pas tout étonner, voilà. J'espère que j'arriverai à tout lire, parce que c'est vraiment des livres qui me font envie depuis un sacré moment. J'espère que ça me plaira surtout. Je vous ferai un retour au mois de mars sûrement, pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui vous font envie cet hiver, parce que on a toujours des moments dans l'année où on préfère lire tel ou tel livre. Moi, je sais que par exemple, l'été, j'adore lire des romances, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs. Je veux quelque chose de léger souvent l'été, même si là en ce moment, en faisant du tricot, les romances, ça passe super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, et si vous avez lu certains de ces livres, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye, et à la prochaine vidéo, salut !